Ellie! Tu m'as entendu? Non. Quoi? Regarde. C'est l'hôpital. On est enfin arrivé. Allez, on y va. Tu sens cette brise? Eh ben, tu vois, par un jour comme ça, je me serais assis sous mon porche et j'aurais joué de la guitare. Quand on aura fini avec tout ça, je t'apprendrai à jouer de la guitare. Ouais, je pense que ça te plairait beaucoup. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ellie, je te parle? Non. Oh, ouais, carrément, ça a l'air cool. J'ai rêvé que je volais une fois. Ah ouais? Ouais. Vas-y, raconte-moi. Voilà, j'étais dans un avion rempli de gens, et tout le monde criait et hurlait parce que l'avion allait s'écraser. Alors, je suis allée dans le cockpit, j'ai ouvert la porte, mais il n'y avait pas de pilote. J'ai essayé de prendre les commandes, mais évidemment, je sais pas piloter un avion. Et juste avant qu'on s'écrase, je me suis réveillée. Je suis jamais montée dans un avion. C'est bizarre, non? Ah, tu sais, les rêves, c'est bizarre.
Regarde ça. Une autre ville et une autre zone de quarantaine abandonnée. C'est l'hôpital dont parlait le type des Lucioles. On y va, Ellie. On devrait couper par là. À l'époque, on se doutait encore de rien. On pourrait utiliser cette échelle. On y va. Ellie. Ellie. Quoi? L'échelle. J'attends. Ouais. Ellie! Ellie! Il faut que tu vois ça! C'est quoi? Mais qu'est-ce que... J'hallucine. Allez, grouille-toi. C'est pas vrai, je rêve. Pas peur. C'est bon, t'inquiète pas. Tu fais quoi? Tout va bien. Viens, allez.
Ralentis, Ellie. On n'est pas obligé de faire ça. Tu le sais, pas vrai? C'est quoi l'autre option? Retourner chez Tommy et... et laisser tomber toutes ces conneries. Après tout ce qu'on a vécu. Après tout ce que j'ai fait. Je vais pas gâcher ça. Écoute, je sais que tu veux bien faire, mais je dois aller jusqu'au bout. Quand tout ça sera terminé, on ira où tu veux. Ok? Bon, je ne partirai pas sans toi. Alors finissons-en avec ça. Allez, j'ai trouvé une autre de ces BD que tu aimes lire. Cet endroit me rappelle des choses. Pourquoi? C'était juste après que tout parte en vrille. J'ai atterri dans un centre de triage comme celui-ci. Et bon sang, partout où je regardais, je voyais des familles déchirées. Comme si tout ce foutu monde avait sombré dans le chaos en l'espace de quelques secondes. C'était après avoir perdu Sarah? Ouais, c'est ça. J'imagine pas ce que ça fait de perdre un être aussi cher. Tout ce à quoi on tient. Je suis désolée, Joël.
C'est pas grave, Ellie. Très bien. Là, ça va le faire. Joël, j'ai quelque chose pour toi. Tiens. Maria me l'a montré et je l'ai volé. J'espère que tu m'en veux pas. Essayer de toutes ses forces. On peut pas échapper à son passé. Merci.
Cette fois, ça va être différent. Je le sens. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils vont être là, les Lucioles. J'en suis sûre. Il y en a beaucoup trop. Je sais, mais on doit continuer. Connard.
Ok, tu crois que tu peux faire tomber la caisse? C'est bon. Je pense pas qu'il puisse nous atteindre. Ok. Fais bien attention, ça a l'air assez profond. Voilà ce qu'on fera quand on aura fini. Quoi? Tu pourrais m'apprendre à nager? Ouais, ça marche.